وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Tout ce qui est ordonné reste dans la limite de la difficulté supportable, en général par tout être humain. Et jamais il, subhanahu wa ta'ala, n'a rendu obligatoire quelque chose qui dépasse la limite de la difficulté supportable généralement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Il peut avoir des hommes exceptés, comme quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre debout. Il lui est permis de s'asseoir, dans Salat par exemple. Ou il a une maladie, ou il a une difficulté, ou il a une faiblesse. Ce sont des exceptions. Mais la règle générale, c'est que tout ordre religieux est dans la capacité de l'être humain. Donc ceux qui disent « Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de faire » et il ne fait pas Salat. Il dit « J'arrive pas ». Et il te ramène des dalils du Coran. Allah ne charge pas une âme de ce qu'elle est au-dessus de ce qu'elle est capable de faire. Craignez Allah tant que vous pouvez, selon votre capacité. Et il a compris à l'envers. Fattakullah mastata'tum. Ce verset, il encourage à faire le maximum. Craignez Allah au maximum de ce que vous pouvez faire. Lui, il a compris au contraire, au minimum. Craignez Allah au minimum de ce que vous pouvez faire, pas au maximum. C'est une mauvaise compréhension. Car tout ordre, comme l'a établi, comme c'est établi dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a expliqué clairement l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, tout ordre religieux ne comporte qu'une maslaha, qu'un intérêt, que ce soit un intérêt absolu ou bien un intérêt prépondérant. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun ordre en islam où l'intérêt n'est pas prépondérant. Il n'y a plus de méfaits que d'intérêts dedans. Jamais. L'intérêt, dans tout ordre religieux, l'intérêt est plus grand. Et dans toute interdiction religieuse, c'est que le méfait est plus grand que l'intérêt. Toujours. Celui qui n'a pas compris, c'est à cause de son manque dans sa raison ou dans sa confiance en Allah ou dans les deux. Car en vérité, une raison saine ne peut pas contredire les textes. Il n'y a qu'une raison corrompue qui contredit les textes religieux. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا